Bonjour à tous, ici la Radio Ball pour vous montrer un message de la plus haute importance que Nitroxoxide m'a dit de vous laisser sur son message. Alors je lui laisse la parole. Bonjour Nitroxoxide. Bonjour monsieur le présentateur, vous êtes très gentil, mais il y a une menace qui plane sur Bolzen et apparemment elle n'est pas du tout gentille car. Bolzen va se faire rater. Et c'est quoi ces bruit? Ça vient de la radio? Comment ça se fait qu'il y a des tels bugs dans la radio? Mais écoutez-moi, c'est pas ça le plus important. Il y a des genres de robots code binaire qui sont complètement bizarres, starbés même, je dirais. Ils essayent de trouver leur patron, apparemment, qui s'appelle. Je n'arrive pas à décrire ces temps. C'est avec des chiffres et des lettres, sauf que moi, vu que on est en Poland, personne n'a appris à lire. Par contre, à écrire non plus, mais par contre à parler, oui, ça on l'a appris. Mais j'arrive pas à lire. Il y a un Z, un 3, un R et un O. Si, on l'a trouvé. C'est un robot. Qu'est-ce que foutent des robots? À Bolzen. Je veux bien qu'il y ait un robot, mais pas 12 000 robots. Qu'ils ont en plus la même enseigne, qu'ils ont un zéro comme œil. Et qu'est-ce qui se passe dans ce monde? Pourquoi je ne peux pas bouger? Je suis pris sous l'emprise, non? Hein? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites là? On veut te pirater. Pourquoi vous voulez me pirater? Parce que nous sommes les disciples à... Hein? Je comprends pas. La radio bug trop pour comprendre. Les disciples à... Hein? Ça fait un blanc. Pardon. Excusez-moi. Ah! Nous avons piraté Nitroxoxide. Il n'est plus en cas d'être le dieu des bols. Nous allons le faire devenir un robot pour qu'il pirate le serveur de bols et pour que tous les bols soient des robots. Nous sommes bien rusés, nous les robots de... Zero est une menace. Très développé, que nous sommes que des robots prodiges, mais pas assez développés comme Zero. Zero est notre maître adoré, et Zero adore nous voir réunis comme ça. Piou! Hein? Nitroxoxide, tu me reçois? Oh, encore une blague. Nitroxoxide fait tout le temps des blagues de toute façon. Bon. Je vous laisse. On se revoit, disons, demain pour un nouveau message vocal. Okay?